Je comprends pas. Voilà, c'était écrit. Karim Benzema, Ligue des Champions, Ballon d'Or, Coupe du Monde, c'était écrit. L'histoire était belle. L'histoire était parfaite. Non, les gars. Non, je refuse. Voilà, je refuse. Il faut décaler la Coupe du Monde. Voilà, les gars, je vous parle sérieux. Il faut reporter cette Coupe du Monde. D'accord? Qu'on arrête de nous faire chier avec toutes ces blessures, tous ces drames, Aminarit, Sadio Mané, et là le GOAT Benzé monstre. Oh, là demain Messi, après-demain Ronaldo, Neymar, bon lui c'est tous les jours. Oh là les gars, non. À la Coupe du Monde, elle va avoir une autre saveur. L'année 2018, la France était championne du monde. Vous n'avez pas l'impression qu'il manquait quelque chose, les gars? Ce petit truc de je ne sais quoi que Karim Benzema, il l'a en lui. Il manquait pas un petit Karim, là, en 2018, les gars? Cette petite étincelle, ce petit geste en plus, qui fait la différence, qui nous fait rêver, ce petit dribble, cette petite lucarne, c'est Benzema qui peut nous le ramener, c'est tout, les gars! C'est pas Giroud qui va nous... Je me suis bien fait baiser, les gars. Ils ont attendu que je commande le maillot de Sadio Mané pour annoncer qu'il est forfait. Voilà, alors qu'ils le savaient déjà. Pas à nous, pas à nous, aux autres peut-être, mais pas à nous. Comment Sadio Mané, hier il va bien, aujourd'hui il se réveille, ah j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux petits orteils. Non les gars, non. Voilà que c'est un complot. Je suis pas un complotiste les gars, mais voilà que c'est un complot. Ils voulaient vendre des maillots, vendre les droits télé, ils voulaient que les supporters du Sénégal, ils vont tous au Qatar. Une fois que les supporters du Sénégal, ils sont arrivés au Qatar, Mané forfait, Mané forfait. Arrêtez les gars. Vos grands-mères qui font du hors forfait au bout d'un moment. Voilà que c'est un truc de fou. Dites-nous la vérité. Ne jouez pas avec le cœur des Sénégalais. Il est fragile. Oula! Il est tout fragile. Tout là, ils sont gentils. Ils méritent pas ça, les Sénégalais. Les gars, pour moi, la hype, elle est gâchée à cause du match d'ouverture. Qatar-Équateur, c'est quoi ça? C'est pas un match d'ouverture, c'est un match de couverture. On va tous rester sur la couverture, rien à foutre. Oula! C'est la Coupe du Monde ou la Conférence League? Oula, sérieux, les gars? C'est qui l'Équateur? C'est comme si un pays s'appelle Horizon. C'est la même chose, les gars. Voilà, l'Équateur, c'est l'horizon, je sais pas, moi. C'est plus l'Équateur, c'est les squatteurs. Ils viennent squatter, vous avez rien à faire au Qatar. L'Algérie mérite plus que l'Équateur. Oula, que c'est vrai. Ça, c'est les pays d'Amérique centrale. C'est trop facile de se qualifier en Amérique centrale. Il y a qui? États-Unis. États-Unis. Ils disent même pas le football, ils appellent ça le soccer. Le soccer, les gars. Et cassez-vous, vos soccer, la rancœur, ouais. Oula. C'est pour ça que c'est pas juste l'Algérie. Ils auraient joué en Amérique centrale, on serait qualifié. Il y a États-Unis, il y a Montréal, voilà, le Massachusetts, et il y a qui? Voilà, il y a qui, les gars? Cuba, arrêtez, les gars. Voilà, c'est de la triche, faut rejouer le match contre le Cameroun.